Moi aussi, je suis prêt. Chers auditeurs, téléspectateurs de la radio-télévision Imbinduka, bonsoir. Aujourd'hui, nous venons vous parler du livre écrit par Monsieur Dr Eugène Guamucho. Et j'ai le plaisir de vous le présenter. Eugène, vous pouvez vous saluer le public. Oui, bonjour Valence, bonjour les auditeurs de la radio-télévision Imbinduka. Et voilà, j'ai le plaisir d'être avec vous ce soir. Bon, pour commencer, Eugène, est-ce que tu peux encore me dire comment s'appelle ton livre pour que les gens puissent comprendre de quoi nous allons parler? Eh bien, mon livre s'intitule Big Tactique, de Museveni et Kagame en Afrique noire. Ce livre, je l'ai illustré par 42 des NRAFile fiches d'archives secrètes qui ont été tirées des archives secrètes de l'armée nationale ougandaise par M. Noël Ndanyouzoubi. Ok, c'est intéressant. Pourquoi vous avez choisi, pourquoi tu as choisi de mettre le titre en anglais et en français en même temps? Big Tactics, c'est anglais et puis le reste, c'est en français. Eh bien, parce que tout simplement, Big Tactics, justement, comme je viens de le dire, vient des NRA Files. Donc, les NRA Files, c'est National Resistance Army de Kagame et Museveni, donc de Museveni précisément, de le président de la République ougandaise. Et les NRA Files, donc, sont des archives de l'armée secrète, donc des archives secrètes de l'armée nationale ougandaise. Vous savez que l'Ouganda est anglophone, donc c'est pour cela que les fiches secrètes sont de l'Ouganda, quoi. Ok, merci. Et Gilles, vous venez juste de parler de Monsieur Noël Ndanyouzoubi qui a écrit aussi un livre sur le Rwanda. Est-ce que votre livre diffère de son livre? En quoi exactement? Absolument. Donc, je ne m'en cache pas, je peux parfaitement dire que mon livre est un appendice du livre de Noël Ndanyouzoubi. Pourquoi alors je l'ai écrit? En fait, j'ai lu, il y a une pièce de théâtre qu'a écrit Albert Camus, qui s'appelle Caligula. Et Caligula a été normalement écrit, je pense, si je ne me trompe, en 1941. Et dans ces échanges avec Caligula, donc Caligula ici, c'est l'acteur qui, en fait, l'acteur ici, c'est le Caligula, c'est l'empereur romain Caius Julius César, qui d'autres fois, parfois, les autres l'appellent Néron. Et Caligula, il disait à Chéréa, son ami, j'ai besoin de parler à quelqu'un d'intelligent. Je vis, je tue, j'exerce le pouvoir délirant du destructeur. Auprès de quoi celui du créateur paraît une singerie? C'est cela, être heureux. Alors, ça m'a interpellé, je me suis dit, mais attends, j'ai quand même deux personnes qui s'appellent Museveni et Kagame qui tuent, qui viole, qui exerce un pouvoir délirant dans la région, et personne, en tout cas personne, ne les arrête. Et je dis, mais voilà des personnes qui ont un pouvoir dont ils jouissent, parce qu'ils jouissent de leur pouvoir inouï. Et j'ai dit, bon, il faut écrire quelque chose. C'est ça qui m'a vraiment motivé d'écrire ce livre.
Donc, votre appendice au livre de Noël d'Agnus Bleu, c'est comme préciser que quelque chose manquait ou bien vous avez complété ou non. Oui, parce que en fait, Noël d'Agnus Bleu, il a publié un livre qui dit qu'il a 253 preuves que toute la violence, cette violence inouïe que vit l'Ouganda, le Rwanda, peut-être même le Burundi et le Congo actuellement, est bien écrit dans ce livre-là. C'est une Bible. Et j'ai essayé de parcourir tous les livres que vous connaissez sur les Grands Lacs, que ce soit Onana, Rjudireva et maintenant Mickey Laron, et tous les autres, j'ai seulement vu Pierre Péan qui faisait un tout petit peu allusion aux archives que Noël Ndagnoussoué avait publiées dans ce livre Carnage. Alors, je me suis dit que depuis 2008, que le peuple crie justice a été écrit par le partenariat Inpari, et que qui est d'ailleurs aussi annexé dans ce livre, dans les annexes de ce livre, et que Noël Ndahinyurwa a publié son livre en 2014, je me suis étonné qu'il y avait, même sur les réseaux sociaux, il y avait seul, je pense, Ikondera qui s'était intéressé à ce livre-là. Et puis, pchit, rien du tout. Même les Rwandais qui sont victimes de ce plan, non, non, on n'en parle pas. Personne n'en parlait. Alors je me suis dit, Noël, lui, il dit, il m'a, quand je l'ai rencontré, il m'a dit, mais j'ai tout écrit, tout le monde sait. Alors j'ai dit, mais peut-être que tout le monde ne sait pas, parce que ce livre me paraissait et le contenu me paraissait intéressant et important, et je suis tombé sur les fac-similés que Noël n'avait jamais publiés et qu'il ne voulait pas diffuser aussi, qu'il n'avait jamais diffusé. Je suis tombé sur 42 des 253 fac-similés et je les ai publiés. Donc, ils sont dans le livre. Les gens peuvent voir ce type d'archives secrètes, en original en tout cas. Donc, les copies des originaux, naturellement, qui sont publiées dans mon livre. Bien, merci, Eugène. Bon, en tout cas, c'est bon de nous rappeler ces documents qui sont, ces livres qui ont été publiés sur la tragédie rwandaise, et puis les documents dont vous disposez, entre autres celui du partenariat Inwari. Mais je crois qu'il y a aussi un document qui a été publié par le ministère de la Justice du gouvernement rwandais en exil en 1994, je crois en septembre, à Bukavu, où le document s'appelle Le peuple rwandais accuse. Bon, bien sûr, certaines personnes, certains Rwandais connaissent ce document, mais évidemment, en fait, le monde connaît ce qui s'est passé en réalité, mais nous faisons face à ce que nous pouvons appeler une justice du vainqueur. Donc, les documents étant là, on n'est pas toujours prêt à les consulter. Bon, est-ce que tu peux nous parler un peu du contenu de ton livre, Eugène? Oui, bien sûr, avec plaisir. Voilà, allez-y, allez-y. Voilà. Donc, ce livre-ci commence par l'interview du ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Lutundula, qui aussi m'a interpellé, qui disait que, en fait, il faut savoir ne pas être d'accord sans s'exclure, ne pas être d'accord sans devoir s'exclure. C'était une interview qu'il avait donnée à la radio France Internationale et qui peut-être commence un tout petit peu à m'expliquer ce qu'ils ont appelé la guerre diplomatique contre le Rwanda et le M23 qui les agressent. Donc, ce livre-ci que j'ai intitulé Big Tactique, tout simplement parce que parmi les 42 fiches que j'ai pu me procurer, il y a une des fiches qui est Big Tactique. On y arrivera, j'en viens. Mais si notre ami donc, qui a les fiches peut déjà dérouler la première fiche. La première fiche qui me paraît la plus importante, vous pouvez vous arrêter là-bas, s'il vous plaît, c'est celle-ci qui décrit correctement la guerre d'agression contre le Rwanda, où qui se déclare.
mais dans une fiche, la fiche, la note numéro 23, que vous pouvez montrer son original. Qui dit, s'il vous plaît, donc le suivant, la fiche suivante. Oui. 001. Oui. Donc, ils se suivent, voilà. Non, c'est 001. Pas du tout. Oui, donc je veux dire, c'est sur la fiche manuscrite. Une fiche manuscrite, celle là, voilà, qui montre comment, depuis le bataillon de Lubiri, donc c'est là où s'est tenue cette réunion, où les Hutus, donc les Hutus sont ici définis comme les adversaires, en tout cas, les ethnies adverses, donc les adversaires à exterminer tant que la guerre durera. Donc, ici, le premier bataillon de Rubiri, sous le commandement du capitaine Kiyingi, devait lancer l'assaut sur le territoire rwandais avec une artillerie spéciale et des mitrailleuses. Et les Hutus sont définis donc par Yoweri Museveni, qui est ici le leader de la libération régionale, Kaguta Museveni, et qui dit qu'ils doivent être exterminés tant que la guerre durera. Dans la réunion, il y a la liste des participants qui est Bataagama, Uvaingana, Ruigema, Kagame, Kamondo, Ruakasisi, Akamandato Salim et Akamandato Joseph. Parmi toutes ces personnes, ceux qui sont rwandais, les vrais, donc c'est Uvaingana et Ruigema, ils ont été tués. Tandis que Kagame, c'est le seul qui reste, mais les Ougandais sont là, donc Salim et Joseph, qui sont les frères de Museveni. La suivante, c'est que on voit que les Hutus sont une obsession. Donc, mais quand on dit ici Hutu, ce n'est pas seulement Hutu, je pense que c'est ce qui s'apparente à Hutu, parce que si vous voyez le fil des idées, c'est que même après la prise du pouvoir du FPR à Kigali, les Hutus continuent, ou les Bantous continuent à être une cible jusqu'à ce qu'ils prévoient qu'en novembre 1996, ils devaient lancer une opération en sabotant l'ONU. La suivante. Donc ça, c'est le premier chapitre du livre où l'ennemi est identifié. Mais cet ennemi n'est pas identifié pour être caressé, il est identifié pour être exterminé. Et je répéterai peut-être cela plusieurs fois. Mais pour ce faire, le pouvoir, donc Museveni et Kagame, se donnent les moyens. Et le premier moyen, c'est de s'aliéner l'aide de la Tanzanie et surtout l'assentiment du Mzee Julius Nyerere. La suivante. Tu dis s'aliéner, c'est-à-dire qu'il n'a pas bénéficié du soutien de... Non. S'aliéner, c'est-à-dire c'est se mettre derrière soi le soutien de monsieur Nyerere. Donc, d'avoir le soutien de Nyerere. Okay. Voilà. Donc, ici, Mwalimu, il reçoit les rapports, comme on le voit. Et on voit très bien que il y a des comités qui sont formés par les Rwandais qui résidaient en Tanzanie. Je pense que certains y sont encore. La suivante. Et il y a les comités tanzaniens qui, à l'époque, étaient formés par Eugène Rwigema et Alphonse Mutabazi, et avec un comité de 20 intellectuels, je ne sais pas où ils sont maintenant, qui donnait rapport régulièrement à M. Nyerere. La fondation Mwalimu Julius Nyerere est évidemment dans le coup et fera un don financier de 60 millions de shillings tanzaniens aux attaquants. On continue, s'il vous plaît. Donc, alors, vient dans le deuxième chapitre de ce livre, j'aborde la question du big tactique. Pourquoi ce livre, justement, a pris le titre de Big Tactique, voici, le voici devant vous, c'est que tout simplement,
Le Big Tactique voudrait bien que le FPR commette tous les crimes qu'il veut et les endosse à d'autres, qu'ils appelleront les extrémistes. Et ici, les extrémistes sont absolument matérialisés pour Museveni et Kagame par les Interahamwe et les Impuzamugambi. Et on voit bien qu'il y a une tentative de aussi toujours de recruter, parce que si Bagosora, malheureusement, il est mort, si Bagosora, au départ, était comment pressenti comme quelqu'un que devait recruter le FPR, de la même manière que Wilingimana Agathe. Vous voyez, ils sont au même pied d'égalité. Mais par après, lorsqu'il refuse de se faire recruter, ils deviennent bien sûr les extrémistes également. Ils sont définis comme extrémistes qui doivent endosser les péchés du FPR, les crimes qu'ils commettent, alors que Wilingimana Agathe, elle est, vous savez dans quelles circonstances elle est assassinée. Toujours mystérieuse, une enquête sérieuse, en tout cas, n'a pas encore montré dans comment elle a été assassinée ce soir-là. Seulement, c'est que on voit bien que le major Bernard Nouyahaga, qui avait aussi refusé ce deal, on sait aussi, mais ce n'est pas l'objet de la présentation du livre, on sait aussi comment il a été, comment dirais-je, malmené par le FPR jusqu'à aujourd'hui, et je pense qu'actuellement, il serait à Kigali. Donc, voilà la stratégie du Big Tactique. Et la suivante, donc, quand je décris dans la stratégie du Big Tactique, je décris surtout le rôle qui a été joué par les Interahamwe. Puisque, en fait, les Interahamwe sont une émanation, on peut polémiquer là-dessus, mais les Interahamwe sont une émanation du FPR. En tout cas, ils ont inspiré la création et ils se sont introduits dans l'establishment même de ce mouvement. Et ils ont attisé le feu, en tout cas, ils ont conduit plusieurs crimes commis par les Interahamwe. Et c'est là où M. Rutaremara a lui-même maintenant décrit comment ils l'ont fait, parce qu'ils avaient au moins 5 membres dans chaque cellule. Faites le décompte, vous verrez qu'ils étaient partout. Mais surtout, ce qui est important à savoir et qui est dans ce livre-ci, à la page 79, c'est que Kajuga et surtout Turatsinze Jean-Pierre Abdul Karim, celui-ci qui a inventé, en tout cas qui a aussi inspiré Roméo Dallaire, le document qu'il a appelé Génocide Fax. Donc c'est lui qui a dit à Dallaire apparemment que les Hutus avaient décidé de tuer au moins, je ne sais pas combien, 2000 Tutsis par minute. C'est M. Turatsinze qui s'avère carrément, et ça maintenant ce n'est pas moi qui le dis, c'est la National Security Archive, donc dans l'Electronic Briefing du numéro 452, c'est-à-dire les services secrets américains qui ont découvert que Abdul Karim était un membre du FPR. Donc, alors, qui est Abdul Karim? Il était le chef des Interahamwe dans la préfecture de Kigali. Donc, pour dire que lorsqu'on polémique que les Interahamwe n'étaient pas alliés au FPR, je dis, enfin, c'est faire une vaine polémique. Le quatrième chapitre de ce livre traite du plan d'élimination. Ça, c'est ce que l'on nous montre sur l'écran. C'est le témoignage de Madame, je pense, l'épouse d'Abdul Karim, donc de Turatsinze. Suivant. Donc, le quatrième chapitre parle maintenant du plan d'élimination du président Habyarimana. Là aussi, je me suis demandé, il y a quand même
Vous savez que l'affaire de l'avion est une affaire qui a occupé presque comment dirais-je, la justice française pendant très bien longtemps. La justice espagnole, qui était presque sur le point d'y arriver, et vous savez que le général Nyamwasa était prêt aussi à venir témoigner. Vous savez que le docteur Théogène Rudasingwa, qui était le secrétaire de Kagame, a témoigné toujours en disant que c'est vraiment le FPR qui a tué Kagame, qui a tué plutôt, pardon, peut-être c'est le FPR qui tuera Kagame, je n'en sais rien, mais que c'est le FPR qui a tué Habyarimana. Ici, on voit sur cette fiche un plan bien conçu, bien écrit, l'élimination du président rwandais Juvénal Habyarimana. L'équipe qui doit le tuer, c'est le lieutenant-colonel Drago, c'est Karake ou Karate, c'est capitaine Joachim Ruyema et colonel Rukundo. Donc, cette fiche de NRFA, donc des archives secrètes, est absolument concrète. Et puis la suivante, et ils disent que pour ce faire, ils ont déjà infiltré la maison présidentielle. Donc, il y avait les services secrets de Kagame travaillaient déjà, alors qu'il était encore en Ouganda, parce que ces fiches datent du moment, lui, il était le chef du personnel des services de renseignement ougandais. Donc, ce monsieur, il avait déjà des indices au sein du palais présidentiel. Ils le disent, c'est pas. Alors, ce qui est intéressant ici aussi, sur cette fiche, c'est la notion, vous voyez en bas, il y a quelqu'un qui apparaît, qui s'appelle Linda Chalker. Linda Chalker qui plaide une méthode douce. Il dit, OK, vous allez le tuer, allez-y, mais quand même, ne vous faites pas trop voir. Mais on sait comment ça s'est passé, puisque normalement, ce qui était dans le plan, avant l'attaque du FPR, le Habyarimana devait être assassiné avant que le FPR n'attaque. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Allons-y, continuons. Donc, le cinquième chapitre de ce livre, lui, propose un plan politique. Toujours Linda Charker, vous allez voir que elle propose que le Rwanda soit divisé en cinq territoires, donc cinq districts. Vous le savez qu'aujourd'hui, le Rwanda et en tout cas la partition politique du Rwanda, hein, c'est le nord, le sud, l'est, l'ouest et le centre. C'est la carte actuelle. Comme l'a bien dit Linda Charker, c'est elle qui le propose, avec Museveni et Amama Mbabazi et Kayihura. Kayihura peut-être c'est le seul Rwandais. Kayihura c'est le grand-père de Madame Makolo, qui est actuellement chef donc le porte-parole du gouvernement rwandais. Alors, donc, que le FPR dise oui ou non, c'est nous qui avons tout prévu. Non, ils n'ont rien prévu. Le FPR ne prévoit rien. Tout était déjà prévu par Museveni et surtout leur sponsor, le Royaume-Uni. Ce n'est pas pour rien qu'ils veulent toujours peupler le Rwanda comme si le Rwanda était dépeuplé et les États-Unis d'Amérique. Justement, venons-en au sixième chapitre qui montre que pour le faire, Kagame et Museveni ont bénéficié des accointances avec les puissances anglo-saxonnes surtout, et très précisément le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique. Et comme on le voit sur cette fiche, c'est que l'Amérique a donné un feu vert au président Museveni, ce que nous appelons, ce qu'ils ont appelé American Acceptance, et que ce feu vert jusqu'à aujourd'hui ne lui est pas encore retiré. La fiche suivante. On peut voir aussi
que non, les États-Unis avaient pris position. Donc, si vous voulez bien, dans ce feu vert, les Américains disent que le gouvernement rwandais devra, donc le gouvernement qu'ils vont installer, devra accepter les initiatives politiques, que le gouvernement devra être composé de personnalités de différents bords, ça c'est le conseil, je dirais, catholique, qu'il donne au prochain gouvernant du pays, qu'il faudra un gouvernement de transition, que les cérémonies d'inauguration seront planifiées par les Américains et que les contrats dans la filière café, vous pouvez entendre tout ce que vous voulez par café, en tout cas tout ce qui est ressources naturelles et autres, sera cédé aux hommes d'affaires américains. On peut faire la suivante, je vois que c'est... Alors, la suivante fiche, c'est donc c'est le financement. Donc, le septième chapitre de ce livre parle de comment s'est financé le Front patriotique ou bien la NRA. Parce que pour moi, et ça c'est la leçon en tout cas que je tire de chez Noël, la NRA, donc le RPA ou le FPR n'existe pas sans NRA. Ce sont des choses qu'il ne faut pas séparer. Le RPA, c'est-à-dire Rwanda Patriotic Army, ou le Front patriotique rwandais actuel, n'existe pas sans la NRA, donc la National Resistance Army de Museveni. Et on peut le voir, parce que s'ils prennent Bunagana pour occuper le Congo, ce n'est pas pour rien, c'est qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes le faire. De toute façon, ici on voit le rapport des sponsors, qui est très parlant, où le London Banker Trust a donné 6 millions de livres, où le gouvernement britannique a donné 30 millions de livres, où les amis de l'opposition ont donné 6 millions, où Compagnie. les marchands d'armes ont donné 4,6 millions, et Ford et Rockefeller ont donné 9,6 millions de pounds. Et ce n'est pas les seuls. Un certain Pater Markvani, la suivante. Un certain Pater Mordovani, la suivante, oui, donne donc tout. C'est lui qui donne, en fait, qui approvisionne en vivres les combattants du FPF, qui était prévu, hein, parce que quand vous voyez les fiches comme ça, c'est tout ceci est prévu avant le 1er octobre 1990. Donc, c'est-à-dire qu'on savait combien de tonnes de sucre, de maïs, d'huile et des cacahuètes seront données aux combattants. Et c'est l'Indien Pater Mardovani qui va donner, qui va s'occuper de cela. Donc, c'est pour cela que le cartel des Indiens en Ouganda est toujours fort. Et il est fort également au Rwanda. Et c'est peut-être lui qui établit la liaison avec aujourd'hui les Indiens qui aussi sont très forts au Royaume-Uni, à avoir Patel, la dame qui était au ministère, je pense, qui a signé l'accord avec M. Biruta. Huitième chapitre, c'est le plus important, c'est le plan d'occupation du Congo. Cette photo où on voit le président Mobutu qui salue Kagame. Et là, je pense que la personne qui regarde, c'est celui qui a Apareko, qui, le nom m'échappe, qui était des services secrets de Mobutu, qui a écrit un bon livre d'ailleurs. Vous ne savez pas me... Alors, Comment? Mbanda, Honoré Mbanda, oui. Okay. Voilà. Donc, celui-là, je pense que c'est lui, mais cette poignée de main est historique parce que, en fait, déjà, à l'attaque même, il parvient quand même à avoir rendez-vous avec le président Mobutu, qui normalement, dans l'entendement, ne devrait pas.
Mais pourquoi? Parce que Bisengimana, qui est au cabinet de Mobutu, en tout cas, qui avait été longtemps au cabinet de Mobutu, est là. Et il le fait, c'est l'infiltré, ce sont les infiltrés actuels dont on parle. Lui, il favorise cette rencontre. Allez, la suivante. La suivante, c'est que, un, cette fiche est très importante, si ce n'est après la première qui désigne les ennemis de la région, ici, c'est que l'assaut sur le Zaïre est un des objectifs principaux que ça signe Museveni et Kagame. Alors, le Rwanda, disait-il, est trop petit pour contenir tous ses ressortissants. Et pourtant, on sait que c'est la grande le plus grand reproche qu'il faisait à Habyarimana, si vous vous en souvenez. Mais eux déjà, avant d'attaquer, ils savent et ils disent que le Rwanda est trop petit pour contenir tous ses ressortissants, excusez-moi, et que les Rwandais au Zaïre ne seront pas en sécurité, mais leur situation sera débattue après la capture, en tout cas après la conquête et le contrôle du Zaïre. Donc vous comprenez bien que l'occupation du Zaïre, pour lequel ils se battent encore jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui date d'hier ou qui... Non, non, c'est un plan qui est en cours d'exécution. Les Rwandais, et ils disaient à l'époque que les Rwandais au Zaïre ne sont pas en sécurité, mais leur situation sera débattue après la conquête du Zaïre. Donc déjà ici, dans cette petite fiche, dans cette seule fiche, on voit qu'on va conquérir le Rwanda. Après, le Rwanda sera un pont vers le Congo. Et le Congo, ce n'est pas seulement pour lui faire la guerre pour un tiers-Congo. Non, c'est pour l'occuper. Et ils sont partis jusqu'à Kinshasa, ça, on s'en souvient. Mais il précise à la dernière paragraphe, l'Est du Zaïre a besoin d'une libération totale et nous avons juste besoin d'une aide directe, d'une aide conséquente, si vous voulez. Et il planifie des réunions, scheduled meeting. C'est quoi les réunions qu'il planifie pour ça? Ils ont planifié les réunions au Texas State University. Donc, vous comprenez, nous sommes aux États-Unis. Donc, ce qui est en train de nous arriver, ça a été peut-être planifié par les savants les plus éminents du Texas State University. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, les officiers rwandais en dehors du Rwanda, donc il y en a certainement certains qui étaient de connivence avec le FPR, les représentants ougandais et les représentants militaires américains. Cette fiche, je l'appelle, toujours actuelle, puisque ce qui se passe à l'est du Congo n'est pas loin de ce qu'a prévu cette fiche il y a à peu près 40 ans. La suivante. Le chapitre suivant, c'est toujours, comme vous allez le voir, il va toujours concerner à peu près cette attaque du Zaïre où plusieurs réunions se sont tenues. Et on voit toujours, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit toujours les commissions. La commission Salim Saleh, la commission Kazini et la commission Nanyumba qui était peut-être, ça, il faut que d'autres en fassent une étude beaucoup plus approfondie. Je pense que la commission Nanyumba et la commission Inyumba Aloisi. La suivante, tout ça pour attaquer le Zaïre. Dans le chapitre suivant, cette attaque contre le Rwanda, le Congo et l'occupation déjà de l'Ouganda
qui était en cours ne pouvait pas se faire sans que ces têtes pensantes, en tout cas ces éminences grises, ne pensent à neutraliser l'ONU. Donc, autant on appelait l'ONU à venir faire la paix au Rwanda, autant on pensait à neutraliser, et à infiltrer les institutions de l'ONU pour que jamais ils n'aient jamais à répondre de leur forfaiture. Donc ici, on voit comment le général Matuaza, qui était dans la minoire, est neutralisé. Et on voit dans les autres fiches qui ne sont pas présentées ici, et il disait qu'il faut absolument que les activités de la minoire cessent avant le 25 septembre 1994, pour que, et c'est au moment où ils étaient en train de déterminer la date d'assaut et de chute de Kigali. On continue, le 10e chapitre, il n'avait pas seulement que l'ONU à neutraliser, il y avait la France. Parce que la France a toujours été, ici on montre comment, ça c'est une fiche qui montre comment que les forces américaines étaient stationnées ici. Je sais bien, car j'ai eu un témoignage direct d'un de ceux qui étaient dedans. Donc, ils étaient stationnés à Bujumbura. Ils étaient effectivement environ 500. Et lorsque 3 jours après, ils voient qu'il n'y a pas d'intervention, ils sont partis. Parce qu'il fallait, ceci devait venir, ce sont des forces américaines qui étaient là pour neutraliser les forces françaises, entre guillemets, au cas où la France décidait d'intervenir. Et enfin, donc, c'est ça, le 10e chapitre, c'était la neutralisation de la France, qui clôture tout. Maintenant, je ne veux pas m'éterniser là-dessus. Vous savez que ils ont la francophonie avec Madame Mushikiwabo, et ainsi de suite. Donc, je voudrais terminer. Donc, en fait, c'est pratiquement le dernier chapitre, puisque le dernier chapitre, c'est l'après-plan. Mais l'après-plan aussi, donc la suivante, parle toujours de l'attaque et de l'assaut sur le Congo et de l'occupation du Congo. J'aurais pu vous parler de l'histoire, de cette histoire, parce que là, donc, le livre vient d'exposer les 10 chapitres qu'il contient, mais c'est la conception phylogénétique du pouvoir du FPR, en tout cas de la NRA-RPA, donc de Museveni et de Kagame, et surtout, le masque qu'il faut faire tomber sur ce qu'ils appellent l'Empire Hima ou l'Empire Havila. Ce n'est pas aussi une chimère, c'est quelque chose qui existe. Ils ont 7 centres d'études pour développer leur plan. Et voilà, donc dans l'historiographie du plan NRA, vous pourrez lire cela dans ce livre. Pratiquement, je pense que je viens de vous lire tout le livre. Peut-être j'ai été long ou rapide, excusez-moi, mais voilà, je vous remercie du temps que vous m'avez donné pour présenter ce bouquin. Bon, merci Eugène pour ce résumé. Merci pour ce résumé. Je voudrais juste poser une question. Vous avez montré entre autres les noms de Bagosora et Agathe Uwilingiyimana qui ont été un peu contactés apparemment par le FPR et qui malheureusement ont fini par être, bon, de façon différente, bien sûr. Agathe a été tuée. Bon, Bagosora a été poursuivi en justice, bon, comme planificateur du génocide. Et à ce que je sache, il y a plusieurs personnes qui ont été poursuivies injustement, parce que de toute façon, j'ai parlé un peu au début de la justice du vainqueur. Que pensez-vous de toutes ces personnes qui sont suivies à gauche et à droite? C'est parce qu'ils ont refusé l'offre du FPR de les joindre, ou bien c'est quoi? Oui, moi je pense que je ne sais pas pour vous, mais pour les personnes qui dépassent
60 ans, donc 50 ans, parce qu'à l'époque, nous étions les jeunes diplômés de l'époque. Moi, je venais juste d'arriver. Oui, on a subi quand même des recrutements, je dirais un peu, hein, très polis. Hein. On ne vous dit pas on va au FPR, non. On vous dit, eh bien, écoutez, quand même, vous savez que le régime, il est partant. Venez chez nous. Ça, ce sont des choses qui se sont passées. Vous êtes peut-être recruté par un des vôtres, mais qui est pratiquement du FPR. Oui, ce sont des choses qui se sont passées. Ou alors, vous posez un acte qui les dérange. Moi, j'avais personnellement, j'avais produit un film vidéo alors que je venais d'arriver. Le FPR attaque, ils ne guérent pour rien. Où je fais pratiquement l'inventaire de tous les dégâts causés par la guerre au Rwanda en 93, c'est-à-dire avant même la signature des accords d'Arusha. Et j'en ai publié un document, un livre qui est à l'Université nationale du Rwanda, que tout le monde peut lire. Oui. Bon, bref, ce que vous avez dit, comme ce que vous avez appelé la big tactique, donc le fait de planifier, d'accomplir des atrocités et puis les mettre sur le dos des autres, ça, on l'a vécu, on le connaît. Même aujourd'hui, on sait que bon, la RDF avec le M23, par exemple, font des tueries au Congo, ils veulent porter le dos de ces tueries aux autres. Bon, pourquoi jusqu'aujourd'hui? À votre avis, pourquoi? Parce que vous avez écrit, il y a ceux qui ont écrit avant vous, comme le mémorandum du partenariat interarabe dont vous nous avez parlé, il y a les livres que vous avez cités. Bon, pourquoi jusqu'aujourd'hui la justice, la soi-disant justice internationale, reste tellement partisane? De un, je vais vous le dire, parce que, un, je dis parce que si j'ai fait une petite enquête parmi, par exemple, ceux qui ont été à Arusha, personne d'entre eux, soyons honnêtes, n'avait ces documents. Et personne ne s'y est référé. Deux, j'ai aussi interrogé les gens. Quand vous êtes en prison, c'est ce que les gens ne pensent pas. Ceux qui étaient en prison, ils n'avaient pas accès aux documents du partenariat Inouye. Donc, ils n'auront jamais vu. Mais la justice internationale, le TPIR surtout, l'a reçu. Il ne l'a jamais montré à ses prisonniers. Vous vous en doutez. Deuxième chose, c'est que lorsque, en fait, le big tactique, c'est cette façon d'infiltrer les personnes qui vont servir de cellules dormantes, donc des cellules dormantes qui vont se réveiller au moment voulu. C'est ce qui est en train d'ailleurs de se passer ce soir même, là où nous parlons à Masisi. On se demande d'où viennent les gens qui sont en train de combattre dans Masisi alors qu'il n'y avait rien et que les autres avaient cru avoir bouclé la région. Non. Depuis 1996 que ils envoient les troupes au Congo, qu'ils ont traversé tout le Congo, il y a des cellules dormantes qui se sont installées en RDC et sur tout le territoire. Ne pensez pas que c'est seulement à l'Est. Donc voilà, c'est ça le big tactique. Donc c'est comme ça que moi je pense pouvoir, pourquoi ils n'auront pas reçu. J'ai interrogé plus d'un qui était à Arusha, qui m'ont dit oui, parce qu'on ne le savait pas. Mais il n'y a pas seulement que les gens ne le savaient pas, il y a aussi que même ces gens qui étaient à Arusha, bon, par exemple, le lieutenant-colonel Tassis Renzaho, ils avaient, quand ils se défendaient, quand ils produisaient des documents, on les empêchait de parler, par exemple. Exactement. Non seulement les empêcher de parler, mais si, par exemple, maintenant vous les avez, allez-y présenter ces documents pour Kabougatier, à la CPI, pour ceux qui sont à Arusha ou dans certaines prisons de l'ONU, pour la révision de leur procès, parce que maintenant leur procès devrait être revu. La révision de leur procès s'impose. Mais est-ce que vous, moi et les autres, est-ce que nous allons militer pour qu'il y ait révision de ces procès? C'est bon, militant. Peut-être Je on va pense que vous posez une question très importante. plutôt. C'est, ne pensez pas que c'est l'ONU
ou ces juges qui vont se saisir. C'est vous, le peuple, qui devez vous saisir de ces documents, de ces preuves, et demander à ce que justice soit faite, à ce que la vérité puisse éclater. Bon, j'ai une dernière question avant qu'on aille à la fin de votre présentation du livre. Les cartes que vous nous avez montrées, en principe, en grande partie, bon, d'abord, elles sont manuscrites, mais on ne voit pas exactement, par exemple, la date que ces cartes ont été remplies. Ça ne peut pas être un défaut pour ces cartes. Ça, vous êtes tombé dans le bon piège que l'on nous oppose toujours. On nous a toujours dit que l'Afrique n'avait pas d'histoire parce que ce n'était pas écrit quelque part, parce qu'on ne savait pas comment c'est daté, alors que tout sautait aux yeux. Il n'y a pas une seule personne qui soit citée dans ces documents. Il n'y a pas un seul fait ou un seul lieu qui soit une invention. Ce sont des faits réels. Pire encore, les gens qui sont cités dans ces documents, y compris Paul Kagame lui-même et Museveni, ce sont des gens qui existent et qui respirent encore. Pourquoi ils ne sont pas interrogés ? N'allons pas discuter sur la véracité ou la non-véracité des documents, ça c'est vraiment une façon de faire de fuir et de noyer le poisson. Ce n'est pas que je fuis, c'est un constat que je fais parce que de toute façon c'est une question qui sera posée. Et vous pensez qu'un document secret, il est codé de manière secrète, et vous pensez qu'un document secret, on va vous écrire à la date telle, ah ben non. Mais ici, on sait bien que le document était à Nakasero House. Il y a l'OPI, le PPU, c'est-à-dire Presidential Protection Unit. Ce sont des choses qui existent encore. Donc, et puis, les archives de Nyerere, ça existe. Nyerere, la fondation Nyerere existe encore. Le Texas University, elle existe encore. Qu'ils viennent dire non. Bah, je ne sais pas quelle authenticité encore vous voulez, monsieur. Non, je ne sais pas que... Je vous comprends. Je vous donne une réponse qui devrait vous satisfaire. Donc, l'important, regardons les faits, regardons le contenu, et puis, si vous voulez qu'on date, eh bien, aujourd'hui, il y a des moyens, certainement techniques, qui peuvent dater ces écrits si on veut le faire. D'accord? Bon, je sais que vous avez fait la Russie, l'Union soviétique. Oui. Est-ce qu'on peut considérer que la tragédie que le Rwanda a connue et que le Congo est en train de vivre actuellement, c'est une des conséquences de la chute de l'Union soviétique? La chute du mur de Berlin et la chute de l'Union soviétique a créé un monde unipolaire. Oui, c'est certainement une des raisons, parce que si on voit bien, le feu vert, l'American Acceptance et l'American Opposition est prise en 1987 avec Ronald Reagan. Là aussi, c'est quelque chose à redresser. Les gens se croient que c'est Clinton qui a tout fait. Non, c'est d'abord Reagan. C'était une politique nationale. Ce qui se passe dans notre région, c'est une politique qui est délibérément anglo-saxonne. D'accord? Et en 87, effectivement, c'est la période où le monde était unipolaire, plus ou moins, d'accord? Il avançait vers l'unipolarité parce que je pense que Gorbatchev est parti un tout petit peu après, d'accord? Et ils ont eu le feu vert de faire tout ce qu'ils voulaient après sans qu'il y ait quelqu'un d'autre, il y ait une autre puissance qui puisse s'interposer. Aujourd'hui, est-ce que ce sera la même chose? Le monde redevient multipolaire, j'espère que... mais il y a aussi autre chose. Le plan d'affaiblir l'Afrique et de démanteler les peuples africains, c'est ancien aussi comme le monde. Et troisièmement,
c'est que le président du Congo assure maintenant qu'il a tout compris, donc, et qu'il ne se laissera pas faire. C'est quelque chose que je crois qui peut arrêter son plan. Et dernièrement, tout en terminant, c'est que tout n'est pas perdu. Les Occidentaux aussi, par exemple les Français, commencent à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou dès lors que 60 députés ont écrit au président en lui disant que le soutien à Kagame devrait cesser. Donc, il y a quelque chose qui se passe, et j'entendais ce matin sur Sud Radio une colonelle française aussi, Galactéros, qui décrivait en fait le monde n'est plus seulement unipolaire, mais il devient où la population aussi commence à être agacée par ces décisions qui font mourir tellement de gens, alors pour rien. Voilà. Merci Eugène. Bon, on ne peut pas évidemment finir tout ça parce que les questions peuvent être beaucoup plus nombreuses encore, mais je te remercie de la présentation de ton livre. J'espère que les auditeurs et les téléspectateurs de notre radio-télévision seront intéressés par ton livre et vont le chercher, avoir connaissance de son contenu. Et je te souhaite du succès et bon courage dans la lutte que tu mènes pour que les gens puissent connaître la vérité sur notre pays. Merci beaucoup, Valence, et à tous les auditeurs de Radio-Télévision Mbinduka et tous les autres qui regarderont cette émission. Je leur dis merci de m'avoir écouté. Écoutez. Écoutez.